présente Diane Bélan, je suis artiste peintre. Je suis une artiste permanente de la galerie NP Trésor qui est située à Durham-Sud. Et je suis bien contente d'être là avec vous. On va voir cet après-midi un atelier de technique mixte. Comme vous pouvez voir ici, le résultat terminé. Donc, on va travailler la texture, le volume. On va travailler aussi la peinture et l'application, aussi le collage. Dans ce cas-ci, ça va être des fragments de photos, de négatifs de photos, couleurs. On commence. J'ai choisi de travailler avec une surface en bois, compte tenu du fait qu'on va travailler avec des roches qui est assez lourde. Donc, pour résister, je travaille sur du bois. C'est souvent ce qui détermine la surface, ce qu'on va travailler. Si c'était du collage, des choses comme ça, on peut travailler avec des surfaces un petit peu plus souples, un peu moins rigides. Ensuite, on va travailler aussi avec, pour faire la structure de cette texture-là, on va travailler avec ce qu'on appelle ici en anglais « modeling paste » ou de la pâte de construction. Ça se travaille avec une spatule, donc spatule, des fois des petites et tout ça. Aussi, j'ai apporté crayon et broche à tricoter pour travailler les textures dans la matière. La colle, c'est ce que j'ai choisi, c'est 3 dans 1. C'est une colle assez résistante pour supporter le poids des pierres. Donc, après un séchage d'environ 20 à 30 minutes, la pierre là, est assez bien prise qu'elle ne bougera plus. Donc, la colle. Travailler aussi avec le médium acrylique pour tout ce qui est vernis, le collage des négatifs, le mélange aussi... des couleurs. Je travaille jamais avec de l'eau, c'est toujours avec du médium parce que ça donne un aspect translucide que l'eau ne donne pas. Donc, tous les pigments sont mélangés avec du médium. Des pinceaux, bien sûr, petits, moyens. Ciseaux. Ça, c'est les négatifs couleurs que j'avais. Dans le fond, parce que j'ai travaillé, le projet est basé et tourne autour des éléments. Dans ce cas-ci, l'eau et la terre, et la mémoire, donc la mémoire des éléments, donc le rapport des négatifs. Les couleurs que j'ai choisies sont dans ma palette assez souvent les mêmes, mais je réussis à les transformer. Je pense que vous allez remarquer souvent dans vos projets que les couleurs fétiches que vous aimez beaucoup. Dans mon cas, il y a le bleu de Prusse. Il y a la terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, et bleu de phtalo, qui est un bleu turquoise. Du papier cache, communément appelé masking tape, qui est utile, du 2 cm de large, de l'eau, guenille, et nous voilà prêts pour l'atelier. On y va? Alors, ce que je veux déterminer sur mon espace, dans ce cas-ci, vous avez vu, c'est un espace carré. Ça aussi, ça peut être déterminant dans l'image que vous allez faire si vous utilisez un espace rectangulaire ou plus ou moins grand. Alors, dans ce cas-ci, c'est un carré. Il y a 3 parties. Il y a la partie du haut où on retrouve un peu comme des stèles de texture. Il y en a 6. Et donc, j'ai divisé règle, juste pour se donner une idée. Lunettes, ça c'est pour moi. Toujours utile. Alors, mon carré est de 25 cm par 25 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déterminer le centre qui est à 12,5. Ça va bien, mais on va prendre le crayon. Donc, 12,5. Et je vais séparer ça en 6 espaces. Donc, c'est à peu près 2 cm.1. C'est juste pour avoir une bonne idée. Et voilà. Alors, ça me fait... Dans le fond, j'ai 6 espaces. Je pense que je vais plus regarder sur celui-là parce que j'ai comme triché un petit peu. Le premier exemple que j'avais fait, j'avais mis moins d'espace et je trouvais ça plus intéressant de le mettre en binôme. Donc, c'est quand même... C'est 6 espaces texturés, 6 non texturés. Donc, ce qui donne 12. Et à peu près, la largeur du premier espace est à peu près 12 cm. Donc, je vais mettre... un point de référence. Ça me donne à peu près jusqu'ici.
Et l'autre mesure, c'est celle du bas où il y a un peu comme la rivière ou l'eau qui coule. Et ça, c'est à 3 à peu près. 3 cm, 3 cm et demi. Je travaille un peu comme une fosse équerre. Et voilà. Fait que ça, c'est mes deux espaces sur lesquels je vais travailler la texture. Alors, je continue comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec mon papier cache. Ça va me permettre de mettre la texture sans m'inquiéter du dépassement. Et ce qui donne aussi une allure très rectiligne, très, très droite. C'est ce que c'était venu. Donc ici. Ce que je vous suggère aussi, c'est de dépasser votre papier cache pour que, quand vous allez l'enlever, ça va être plus facile que s'il était trop court. Important aussi de bien peser pour que la pâte de construction ne s'infiltre pas sous le tape, sous le masking tape. Ce que je veux ici, c'est que la première partie et la dernière partie soient texturées, donc je vais venir cacher la deuxième partie. Je vais superposer pour avoir la bonne mesure. Et je continue jusqu'à la fin. C'est l'utilisation du papier cache peut être aussi sans nécessairement faire de la texture quand on veut délimiter des fois des espaces de peinture qu'on veut vraiment, comme ça s'est appelé dans les années, je pense, dans les années 70, l'art edge, c'est-à-dire l'art vraiment très, très droit, très structuré. Et on continue. Je continue avec. Donc, texture, non-texture, et ainsi de suite, texture, non-texture. C'est pas important que ça dépasse parce que ça va me permettre de l'enlever plus facilement après. Voilà. Donc, 6. Donc, je vais mettre quelque chose qui. On va le mettre plus comme ça ici. Oups. J'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, j'ai mes lignes. Je vais travailler la texture. Ce qui est important avec la pâte de construction, c'est de bien refermer à la suite parce que ça a tendance à sécher. Quand il est déjà ouvert, ce que je vous conseille, c'est de bien le fermer avec le couvercle et de le tenir à l'envers. Parce que j'ai eu la drôle de surprise il n'y a pas longtemps d'ouvrir mon pot et c'était séché, le dessus était séché à cause de l'air. Donc, vous le virez à l'envers, puis surtout si on ne l'utilise pas rapidement. Donc, il y a aussi une pâte de construction qui est plus légère. Celle-là, elle est plus, un petit peu plus rigide, là. Ça ressemble un petit peu à une forme de ciment. Alors, je l'étends sur ma partie. Je m'assure. Ce que je veux, c'est que ça ne dépasse pas trop. Je vais l'enlever. Voilà. On peut le mettre plus ou moins épais, n'importe. Tout ce que ça va faire, c'est que le temps de séchage peut être plus ou moins long. Et
Je vais travailler avec ma spatule pour donner vraiment des mouvements. On peut aussi donner des textures comme ça, si on veut. Et voilà pour ça. La même chose ici. Ah! J'avais oublié. Vérifier. Il faut que j'en mette une à l'horizontale si je ne veux pas dépasser mon espace que j'avais déterminé. Voilà. Je vais le mettre en double pour être sûr que. Oups! Pour être sûr qu'il va bien adhérer. Et voilà. Ce que je peux faire aussi, parce que la spatule que j'ai est assez grosse, mais si je veux arriver à avoir des détails un petit peu plus sensibles, un peu plus petits, je peux prendre un outil, comme dans ce cas-ci, une broche à tout côté, ça peut être un crayon. La seule affaire, c'est de s'assurer que après vous le mettiez à tremper pour que je viens dessiner dans ma texture. Et voilà. Je continue. Si jamais ce que vous faites, vous trouvez, c'est peut-être pas ça que je cherche, c'est très facile de revenir. Alors, on remet la pâte et on vient travailler. Si je voulais aller plus rapidement, ce que je pourrais faire, c'est y aller. Plus large, alors j'en mets partout. Pour enlever le papier cache, on attend que ça soit bien sec. Ça peut être encore un peu humide, surtout si on a couvert le papier cache, on peut prendre un petit peu moins de temps pour l'enlever, mais ça va bien s'enlever quand même. Je donne un peu comme si c'était des roches, des fragments de roches. Ici, c'est un peu. Je peux tenter voir. Alors, si je l'enlève comme ça, tout doucement, même s'il n'est pas tout à fait sec. Et voilà. Je me retrouve avec la partie ici. Je pourrais enlever cette partie-ci. Voilà.
Instagram. Alors, comme vous voyez, ça fait... Ça détermine un espace très... très propre, très rectiligne. Ça, c'est un peu comme le corps, un peu la structure là, initiale du projet. Alors, c'est vraiment tout ce qui est texturé là, et bien installé. Je laisse sécher probablement autour d'une heure, et demie. Si vous avez le temps, vous pouvez passer à d'autres étapes ou à d'autres projets. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet-là, c'est qu'on peut en faire deux, trois à la suite parce que d'une fois à l'autre, des fois, ça donne des allures très différentes. Alors, on va laisser sécher celui-ci. Alors, on est rendu là. Les roches, c'est des roches de rivière. C'est des roches qui sont assez lustrées, qui ont un côté un petit peu plat, donc qui sont faciles à coller, plus faciles à coller là, que des... Mais peu importe les roches que vous avez, ça peut être dans votre collection, ça peut être des boutons, ça peut être d'autres aspects. Moi, ce qui m'a intéressé dans les roches, c'est que, bon, j'adore les roches, j'en collectionne. Bon, collectionne est bien grand mot, mais j'en ai plusieurs. Et c'est surtout aussi l'aspect élément, donc l'élémentaire. Donc, les roches sont collées. Cette colle-ci colle assez rapidement, là, au bout de 20 minutes. Quand vous allez les déplacer, là, elles ne bougent plus. Elles sont vraiment très, très solides. Ce qui est intéressant aussi de cette colle-ci, c'est que c'est une colle transparente. Alors, même si ça dépasse un tout petit peu, ça ne se verra pas avec la peinture parce qu'elle est transparente. Donc, on y va avec ça. On va être rendu à l'étape de la peinture. Ce que je suggère, c'est qu'on fasse le fond d'abord et qu'après, on travaille les textures. Donc, pour le fond, je vais commencer avec la terre de sienne brûlée, qui est un brun avec un petit fond d'oranger dedans. Comme je vous disais aussi, je travaille souvent avec le pigment pur, mais la plupart du temps, mêlé avec un médium. Alors, on y va avec le médium. Et souvent, même, il y a plus de médium qu'il y a de pigment. Alors, on y va avec ça. Et, comme vous voyez, là, je vais venir travailler j'insiste plus ou moins sur le pigment, ce qui donne des effets bien différents. Et je travaille aussi beaucoup avec la guenille pour venir enlever des parties et qui donnent aussi un autre allure de texture. Toujours avec la terre de sienne brûlée et le polymère, le médium acrylique, j'éteins. Vous allez remarquer, si vous êtes habitué de travailler sur papier ou sur toile, que le bois absorbe un peu plus la peinture. Donc, on est dans une concentration un petit peu plus liquide, un peu plus claire que si vous étiez sur papier. Alors, même si le pigment vous en mettez un petit peu plus, ça paraît moins parce que le bois absorbe beaucoup. Il absorbe beaucoup. Alors, je viens étamper pour accentuer mes textures. Voilà. Alors ça, c'est juste la couche de fond. On continue. Je vais faire ici les parties. Même si c'est pas tout à fait égal, on peut revenir après avec notre œil puis voir ce qui nous convient le plus.
J'ai pris un petit pinceau pour que justement ça puisse mieux se travailler entre les ondes de texture. C'est un pinceau plat. J'ai pris un pinceau plat aussi. C'est les pinceaux que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Vous allez voir, quand on commence à travailler avec des matériaux, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on préfère à d'autres. C'est important de s'écouter, hein, parce que si on fait ça, c'est pour le plaisir. Donc, il faut que ça devienne quelque chose qui nous convienne. Voilà. Je vous suggère aussi de travailler les bords en plusieurs étapes. On peut commencer avec comme ça ici. Pour que je travaille beaucoup en superposition. Vous allez voir ici, sur cette partie-ci, il y a probablement 3-4 couches là, de peinture. Et ça donne un aspect plus, je dirais, texturé. Ma première couche est donnée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler sur les parties où il y a la structure. Je viens encore, cette fois-ci, avec... Et je vais venir travailler avec mon bleu de phtalo, mon bleu turquoise. Comme vous voyez, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est des toutes petites quantités. Parce que comme je viens travailler avec... Là, je viens... On va être dans certaines parties, dans les creux. Ça me fait penser un peu les bleus de mer, les bleus d'océan, de mer chaude. C'est une couleur qui est assez intense. OK. Encore. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu d'eau. Et... J'essuie, ce qui fait que les parties qui sont plus en hauteur sont un petit peu plus pâles. Ça va me permettre de... Oups, voilà. Ensuite, comme vous voyez ici, je suis allée travailler avec, cette fois-ci, le brun clair d'ombre brûlé. Et je viens rehausser certaines parties. Vous voyez ici. C'est sûr que là, je travaille un petit peu en accéléré compte tenu du temps qu'on a là, pour faire le projet, mais ce qui est bien parfois, c'est de laisser reposer notre projet, le mettre en évidence pour qu'on puisse le voir plusieurs fois par jour, puis à un moment donné, on fait « Ah, tiens, il manque ça, il y a ça qui je rajouterai. » Donc là, on le fait d'un trait, mais ça peut être fait là, à votre rythme aussi. Voilà.
Dans certains projets, j'ai travaillé beaucoup avec le brun terre d'ombre et le bleu de Prusse. Ça fait comme un... C'est pas tout à fait un noir, mais c'est un bleu très, très foncé qui est intéressant. Ce que j'en ai mis un peu dans cette partie-là, comme on peut voir dans le haut, c'est le bleu de Prusse mêlé avec un petit peu de terre d'ombre brûlée. Ça donne une densité beaucoup à ce beau bleu. Ce qui est aussi important de faire avec la pâte de structure, c'est qu'il faut la regarder sur différents angles. Compte tenu qu'il y a des crevasses, qu'il y a des petits espaces, parce que parfois on a l'impression qu'on a bien rempli, et là on fait juste tourner et on fait « Ah tiens, il y a un petit coin ici là, qui nécessiterait un petit peu plus de peinture. » Donc, c'est important de vraiment regarder de près et sous différents angles pour pas se retrouver une fois terminé avec « Oh, il manque des espaces de peinture! » Ça m'est arrivé, donc je vous le confie. Voilà. Alors, n'hésitez pas à tourner ça dans tous les côtés, de tous les côtés. Je vais rajouter un peu de... Comme vous voyez, ça ne m'inquiète pas trop ici que ce soit mêlé, hein, même si les couleurs, parce que un coup appliqué, ça ne paraît pas. Donc, ça ne nuit pas à mon travail. Ça nuirait peut-être si j'utilisais une couleur ou deux couleurs, mais dans ce cas-ci, comme c'est un mélange, c'est même intéressant que ça se lie. Quand je trouve ça des fois, ça m'acharne un petit peu. Je vais bien essuyer. Et ça fait comme l'aspect d'usure. Comme si la pierre avait été. Immergée dans l'eau là, à différents moments. Okay, pour l'instant, je vais le laisser en suspens un petit peu pour aller travailler la partie du bas, celle-ci. Celle-ci, je l'ai travaillée plus avec le bleu de Prusse, qui est un bleu, si on le voit à côté, c'est un bleu plus foncé. Alors, c'est un bleu sans être ce qu'on appelait communément un bleu marine. C'est un bleu avec une petite touche de vert dedans, mais très peu. Alors, toujours avec. Et je vais venir travailler. Plus je mets de, comme vous voyez, plus je mets de polymère, plus ma couleur, mon pigment est moins dense. Comme je travaille sur plusieurs couches, ça peut être intéressant de... Vous voyez, ça fait un petit peu un bleu. Comme un peu de... Si on dilue un peu de vert dedans.
Cette texture-là aussi peut être utilisée de façon moins hachurée. On peut la lisser plus. Là, je voulais un effet vraiment plus fragmenté. J'aurais pu avoir moins de texture dedans. C'est un choix là, que j'ai fait, dépendant de ce que vous voulez. Et je reviendrai avec sur le fond. Cette fois-ci, je suis avec le brun terre d'ombre. Très peu, beaucoup plus de... On aurait pu aussi, ça aurait pu appliquer la peinture et coller à la fin. J'aurais pu faire ça aussi. C'est un choix, là, mais... qui peut être aussi bon l'un que l'autre. Là, ça... C'est une peinture qui n'est pas en aplat. Une peinture en aplat, c'est quand il n'y a aucune trace de pinceau. Dans ce cas-ci, ça me sert qu'il y ait des coups de pinceau. Ça sert mon propos, ça sert mon sujet. Si je voulais avoir un aplat, c'est-à-dire une peinture là, où on ne voit aucun geste de l'application de la couleur, ça donne un autre effet. C'est intéressant aussi, mais c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que si vous pouviez faire des essais. Alors, vous en faites une comme ça, vous en faites une avec des aplats. N'hésitez pas à vous amuser avec les matériaux et avec les différentes techniques. Vous allez découvrir celle qui vous tente le plus, celle qui vous sert le plus, celle qui vous parle le plus. Voilà. Vous voyez comme ici, c'est un petit peu plus intense. Alors, on va travailler un petit peu plus un peu texture. On peut même aller jusqu'à parfois 5-6 interventions. Comme vous voyez, je prends plus de polymère que de pigment. Comme je vous disais, c'est important de regarder sous différents angles parce que on se rend compte que il y a des crevasses qui n'ont pas été peintes. Il resterait aussi des contours qui n'ont pas été faits. Donc, OK. Alors, pour la dernière partie du projet,
j'ai utilisé ce qu'on appelle des négatifs de films. C'est jadis, on utilisait de la pellicule pour faire l'impression des photos. Ça, c'est des négatifs de photos couleurs, avec ça son ton orangé. Les négatifs de photos noir et blanc étaient encore plus gris, là, gris avec des espaces de lumière. Donc, si on regarde à travers, là, on voit la photo. Et avec ça qu'on servait pour imprimer des photos en chambre noire. Alors, c'est vraiment quelque chose d'époque. Ce que je me rends compte maintenant. Alors, moi, j'en avais gardé beaucoup et je m'en sers pour, dans le fond, des traces de mémoire parce que on se souvient que c'est ça, quand on prenait les photos, c'était vraiment parce qu'on voulait se souvenir de certains moments. Si vous n'avez pas de négatif, c'est peu importe, vous pouvez aussi utiliser du collage d'images, du collage de papier de soie, du collage de papier déchiré. Alors, ça peut vous servir, ou pas du tout, aussi ça peut rester comme ça. Ça, c'est vraiment, vous y allez de votre créativité. Et ça pourrait être du sable aussi. Alors, à ce moment-là, je pourrais mettre du polymère et saupoudrer du sable de couleur ou des sables qu'on trouve là autour de chez nous, des sables beiges. Alors, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être des rubans, hein, des morceaux de ruban. Ça pourrait être des impressions qu'on fait avec des bouts de papier et on vient imprimer avec le pigment. Alors, j'ai choisi cette fois-ci d'y aller avec mes négatifs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, comme je voulais en avoir entre chaque, j'ai mesuré. Et là, je vais découper les parties qui sont un peu trop longues parce que je voulais avoir exactement la bonne mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette partie-ci, je l'ai coupée en deux et j'ai enlevé une partie là, du contour. Ce qui fait que, dans le fond, je vais me servir des négatifs comme objet mémoire, mais pas comme... on ne verra pas l'image. Je m'en sers vraiment comme objet mémoire. Alors, ce que je fais, c'est que je prends... cette fois-ci, je vais prendre mon polymère sans avoir été altéré par des pigments. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer dans cette partie ici. Et je vais venir mettre mon négatif avec ma spatule que j'essuie. Comme souvent quand on colle des choses, c'est je vais venir le frotter comme ça pour enlever les bulles d'air, pour m'assurer là, que ça soit bien collé. Je continue. Les négatifs aussi, ça peut être des gens que vous connaissez qui en ont. Parce que souvent, ce qu'on nous remettait quand on faisait ce qu'on appelait développer nos photos, on nous remettait le positif, c'est-à-dire la photo, et on nous remettait toujours une enveloppe avec les négatifs. Alors, ça se peut que dans les tiroirs de vos grands-tantes, grands-oncles, grand-mères, grand-pères, y aient encore les négatifs. Ça serait curieux. C'est des fois d'être curieux de ça. Voilà. Comme ça. Et ce que j'ai rajouté à la fin, c'est les petites parties ici que j'ai mis. Je voulais les avoir égales. Dans les petits fragments de négatifs que j'ai coupés. Je vais les récupérer. Je vais les mettre égales.
Voilà. Et je vais en couper une partie pour que. Et voilà. C'est une pellicule un peu plastique, le négatif. Alors, je vais m'y remettre. Et je vais venir couronner les. Il y a un côté mat, il y a un côté brillant. Alors, je vais essayer du bon côté. Oups! Bon. Celui-ci. Ça prend pas très long à sécher, mais ça prend quand même un petit moment. On peut aussi, avec toujours le polymère, venir vernir nos pierres. On peut aussi venir vernir notre surface. Oups, il s'est décassé un petit peu. Voilà. Plus. On peut toujours aussi réintervenir sur la peinture, même si j'ai mis le polymère, à le regarder, vous dites « Ah, j'aimerais ça intensifier telle partie », c'est possible là, de revenir avec du piment et avec du vernis. Alors, nous voilà à quelques détails clés avec le projet proposé. Alors, comme je vous dis, vous avez été calé sur YouTube avec MP Support. Il y a d'autres ateliers de techniques mixtes qui sont présentés. Et je vous offre de partir de ces idées-là, mais d'aller vraiment à votre rythme, à votre goût, avec le matériel que vous avez. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de créativité. Alors, merci beaucoup.